Normalement, la tâche n'était pas facile parce que la première mi-temps, on a raté plusieurs occasions. Normalement, on marque 6 buts nets. Je ne compte pas les autres occasions à droite et à gauche, mais on avait 6 buts la première mi-temps. On a marqué 2 buts et 4 buts. 2 buts pour Nchouti, 1 but pour Fitina qui s'échappe à droite et un autre but pour 2 pour Nchouti et 1 pour Fitina. Et l'autre pour Yannick. Donc, si tu rates 4 buts et tu vas sortir à 6-0 première mi-temps, ou on dit à 4-0 première mi-temps, ça va être plus facile. Mais tu rentres à la deuxième mi-temps, à la première minute, aussi tu donnes un cadeau à l'adversaire. C'est-à-dire une passe par nous, l'adversaire il sort tête à tête. Donc c'est des cadeaux, c'est nous qui a fait remonter le moral pour espoir la deuxième mi-temps. On a donné un boost mental pour eux, pour revenir. Ils ont eu des opportunités. Nous, la deuxième mi-temps, il y avait un relâchement des joueurs. Ils ont cru qu'on a fini le match la première mi-temps, puisqu'on était en dessous sur le plan technique d'espoir. Mais la deuxième mi-temps, il faut savoir que le match il se termine qu'au sifflet final. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. C'est vrai, l'adversaire il joue sous pression. Mais toi aussi, tu dois gagner tes matchs maintenant et tu dois attendre les adversaires devant vous. Aujourd'hui, Rayan, il perd, nous, on monte au classement en deuxième place. Donc, il faut jouer les matchs jusqu'à la dernière minute. Je ne suis pas content de la deuxième mi-temps, mais aussi, je pense au match de mercredi. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de changements la deuxième mi-temps. Donc, j'ai fait sortir Fitina, Mugisha, aussi Nchouti. J'ai fait sortir à la fin Bac a donc des changements pour savoir gérer sur le plan physique les matchs parce qu'on a dans 7 jours on va jouer 3 matchs, aujourd'hui, mercredi et dimanche. Aussi c'est difficile de gérer ça. Mais à la fin 3 points c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour nous, pour le classement. Et on attend toujours, on va terminer nos derniers matchs. J'espère qu'on va les gagner. Et on attend jusqu'à la fin pour pouvoir arracher le titre. Sinon on est là. Maintenant. La préparation, c'est les deux matchs de coupe. Parce qu'on a une demi-finale. On joue aussi pour le titre de Peace Cup. On ne doit pas penser au match de 21 mai et oublier qu'on a un match le 10 et le 14 mai. Maintenant, ma préparation, c'est pour le match de mercredi et dimanche. Après, on joue contre Wamagane, qui est aussi concerné par la relégation. Il joue pour la relégation. Ça ne va pas être un match facile contre une équipe de Wamagane. Et à la fin, un match Gorilla, vous voyez, Gorilla, il a fait une victoire aujourd'hui. Il a montré le fair play. Donc, vraiment, je remercie Gorilla. Donc, même contre nous, il va jouer avec le fair play, il va faire tout. Nous, on va préparer nos demi-finales et puis on va préparer les deux matchs qui seront très difficiles. Et on va gérer la situation. Et il ne faut pas oublier que l'APR, à la fin de la phase retour, avec beaucoup de blessés, avec des joueurs reconvertis dans plusieurs postes. Dans l'axe central, tu trouves un arrière latéral qui joue dans l'axe, un arrière latéral à gauche. Il y a beaucoup de changements à cause des blessures. Donc, on a su changer les joueurs, mais les joueurs étaient présents. Ils ont montré qu'ils sont là. Et contre Gasugi, je ne veux pas parler de l'arbitrage, mais un mauvais pas contre Police, mais après, on est là, on a fait un bon match contre AS Kigali. Aujourd'hui, on a gagné. Donc, on doit continuer dans le même chemin. Et j'espère qu'on sera prêt pour les deux derniers matchs du championnat.